une fillette endormie, une fille de chasseur de lion à l'arc et aux flèches. La principale qualité d'un chasseur qui a toujours peur de la bête adversaire est le courage. Peut-être commence-t-on à acquérir ce courage étant enfant, la nuit, en dormant sur une natte près des chèvres que l'on garde et en rêvant. Et même si la fillette n'est pas Songhaï, elle pourrait rêver d'une figure imaginée par ce peuple du Niger, celle d'Arakoï Diko, la mère de la famille des taureaux, le blanc génie de l'eau. Une figure qui accompagnait Jean Rouge depuis le début et qu'il réimagine tardivement et audacieusement sortant du grand fleuve, telle une épiphanie qui ne pourrait être vue qu'à l'envers, la pellicule ayant été inversée au montage. Le réel et l'imaginaire chez Jean Rouche, beau vase communicant, se renverse comme un gant. Ainsi, du quotidien de l'imaginaire, la famille des taureaux est très concrètement inscrite dans le quotidien des Songhaï, peut-on aisément passer au quotidien du travail? Ici, le geste si simple d'une femme lavant une calebasse à l'eau d'une mare, un des innombrables gestes émaillant l'œuvre entière de Rouche. Tout comme l'imaginaire, le quotidien peut s'inverser. Voici un homme haut perché sur un pont qu'il est en train de peindre en orange. Au passage de la voiture, la caméra pivote et le filme à l'envers, comme pour indiquer la fugacité de la rencontre, le mouvement du véhicule traversant le pont et la rapidité du contact. L'homme, le pinceau à la main, est déjà loin, tête bêche. Et dans le port d'Accra, un homme, vu de haut, charge des grosses billes de bois numérotées, de ces arbres de haut fût des forêts ghanéennes, timbers, mahogany ou wawa, destinés au lucratif commerce extérieur. L'or aussi transite à partir du Ghana, et encore l'attention soutenue de la part de Jean Rouche au geste, celui attentif et caressant du polissage des lingots. Un geste presque aussi raffiné que celui plus ancien du tisserand. Tisser ces longues bandes de coton, ensuite assemblées pour constituer le tissu, c'est un peu tisser le monde, le tissu du monde. Et encore le geste du forgeron fabriquant des outils sur son enclume fichée au sol. Ici un outil agraire, là un outil guerrier, comme au temps de Babatou. Dans la société des hommes, les gestes sont aussi symboliques. Celui par exemple de cette espèce de soleil formé par les bras et les doigts tendus vers le bord du vase en pie, contenant le ciel entier avant que celui-ci, annonciateur de pluie, ne se déverse sur la terre aride. Une partie de la cérémonie du Yenendi, rituel propitiatoire fait par les Songhaï à la fin de la saison sèche. Avec le vent sec, on peut aussi tenter de jouer. La caméra montre alors la beauté du jeu d'un garçon avec ce vent préludant une violente tempête sahélienne. Ou montre l'élégance d'une jeune fille au travail, vêtue comme pour une fête ou pour les besoins d'un film. Une jeune fille pilant du mil, précieuse céréale. Geste disséminé tout au long de la filmographie de Jean Rouche, comme s'il avait été fasciné par les sons l'accompagnant, ces sons rythmés de travail qui recouvrent une partie de l'Afrique. Et que Rouche a même confié une fois à Pierre Henry afin qu'il les amplifie encore.